Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ma cuisine italienne. On se retrouve aujourd'hui car je vais vous montrer comment réaliser une belle brioche et on va la parfumer avec de l'orange, du citron et de la vanille. Vous allez voir que tous ces ingrédients réunis donnent un parfum exceptionnel à la brioche. De plus, on va faire une présentation un petit peu originale. Je vous mettrai le détail des produits en dessous de la barre des tâches et maintenant je vous explique tout ça dans la vidéo. Pour réaliser la brioche, on va utiliser de la farine T55, du beurre, des œufs, du sel, de la levure, du sucre et du lait. Et on va la parfumer avec de l'orange, du citron et de la vanille. Dans le bol du robot, on va y mettre la farine, la levure, le sucre, les œufs, le lait, l'extrait de vanille, le zeste d'orange, le zeste de citron. On va commencer à pétrir. Alors au début, on pétrit tout doucement. Et on augmente légèrement. On rajoute le beurre. Et on laisse pétrir environ 10 minutes. Après 5 minutes, on rajoute le sel. Quand la pâte se détache des parois, on peut arrêter le robot. On va déposer la pâte sur la table. On doit avoir une pâte légèrement collante. Vous voyez? On va faire une boule sans ajout de farine. On la dépose dans le bol. On filme et on laisse reposer environ 1 heure et demie. Et bien voilà, je vais vous montrer ma brioche comme elle a bien gonflé. Maintenant, on va pouvoir la travailler et la mettre dans le moule. On va dégazer un tout petit peu la pâte. Et on va faire une petite boule. On fait un trou au milieu. On prend notre moule et on la dépose au fond. On appuie bien partout. On va la refilmer. Il n'y a plus qu'à la laisser lever environ 2 heures. Alors, ma brioche
elle a bien gonflé. Maintenant, on va pouvoir la mettre au four 25 à 30 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà, ma brioche, elle est cuite, je vais la sortir du four. On va attendre un tout petit peu qu'elle refroidisse et je vais la démouler. J'ai réussi à la tourner, je vais enlever le moule. On va la laisser complètement refroidir. Ma brioche a refroidi. On va la saupoudrer de sucre glace vanillé. Voilà, regardez, elle est super jolie et ça sent très bon. Eh bien, ma recette de brioche est terminée, je vais vous la remontrer. Voilà. J'ai pas pu résister, j'en ai mangé un petit bout et je vais vous montrer l'intérieur. Eh bien, mesdames et messieurs, merci de me regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la recette de ma brioche vous a plu. Surtout qu'elle sent très bon, vous savez, je sens le parfum d'ici, c'est incroyable. Alors, bien sûr, si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de la partager avec tous vos amis, de faire connaître ma chaîne autour de vous, de mettre un petit pouce bleu, éventuellement un petit commentaire, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci à tous et à la prochaine recette.